Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de personne, mais on est dans un endroit particulier. C'est chez Le Sgui. C'est ici, chez Le Sgui. C'est un ami à moi, Papa Sgui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a ouvert son snack, donc on va aller voir son snack. Je vais vous faire visiter son snack pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir chez lui parce que c'est très bon. J'ai mangé tout à l'heure, je me suis régalé, les gars. Donc là, il nous attend. On va aller le voir directement dans son snack et je vais vous montrer un peu le snack, ce qu'il fait à manger, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas vu Papa Sgui, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a fait deux vidéos avec lui sur la chaîne secondaire où on parle de son milieu carcéral et où on parle de son passé, où il a fait des braquages, tout ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Nous, on va directement aller dans son snack et on va filmer un peu l'intérieur et vous montrer un peu ce qu'il fait. Et là, c'est le premier jour, il a ouvert aujourd'hui, les gars, donc on va lui donner de la force. Allez, venez avec moi, c'est parti. Allez, les gars, venez. Alors, chez Le Sgui, c'est juste là. Sgui la night! Il est là, vous voyez? Il est là. Alors, ça va ou quoi? Il vient de donner la force. Les gars, Papa Sgui, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le connaissez. Ça va le sang? Tu as eu du monde un peu? Ouais. Premier jour d'ouverture, à ce qui paraît, ça a été incroyable. On va montrer un peu ton snack? Vas-y. C'est... Hey, salut Internet, c'est Kamov. En chair et en? Non, en. C'est un off. Encore. En off. C'est bon. Venez, on vous montre le snack, les gars. Alors voilà, les gars, là, on est devant le snack de chez Sgui. Sgui, c'est ton premier jour aujourd'hui. Ouais. Premier jour d'ouverture. Chez Le Sgui. Chez Le Sgui. RG. Voilà, avec RG. Bon, RG, malheureusement, il n'est pas avec nous. Ouais, mais grosse dédicace à lui. Et là, on a le menu. Le Sgui Dwish. C'est le Sgui Dwish. Tarpement, poulet, machin, avec la crème et tout, excellent. Voilà. Les gars, c'est propre, c'est bon et c'est frais. Vraiment, hein, la viande, boucherie, le pain, boulangerie, et vous allez voir à l'intérieur. Oh, Le Sgui, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de préparer les steaks frais. Ça, ça, ça. Oui. Les gars, vous voyez, c'est nickel, hein. Franchement, c'est propre par terre, les murs, c'est tout. Il a tout refait, le frérot. Ouais, il s'est levé l'âme pour faire tout ça. Voilà, mais vous voyez, il a toutes les sauces. Hein. Il a le frigo avec les boissons, il a les sandwichs. Il y en a, ils disent que. Mais les gars. Mais quand tu mets les gants, ça veut dire que tu touches quelque chose. Bien sûr, même tu touches tes billets avec les gants. Les billets, tu vas pas les laver les billets, les gants. Ou tu vas pas les enlever. C'est quoi ce bruit? T'as entendu? C'est quoi ça? C'est ça, tu les connais? Qu'est-ce qu'ils font? Hey! Ah, vas-y, bouge pas! Vas-y, demande deux. Oh! Sgui, reste au snack, j'arrive. Bon les gars, j'ai pas réussi à... Ils cavalent trop vite, c'est des jeunes, ils ont 10 ans de moins que moi. On va prendre la voiture, on va essayer de faire le tour, ils sont partis par là-bas, donc je prends la voiture, on va faire le tour du quartier et on va voir si on les retrouve. Viens, on monte à la voiture, viens. Vas-y, Sgui. J'ai pas réussi à les attraper, hein. J'ai pas réussi à les choper, hein. Non, mais tu sais quoi, je prends la voiture, moi. Je vais faire un tour du quartier. Si j'en attrape un, je te l'amène. Je t'appelle Cash. Je t'attends pas, c'est mon. Vas-y, je t'appelle, vas-y, je pars. Je vais vite comme ça, on montre. Hein? Il va prendre respire. Mais ouais, je sais, frérot. Vas-y, viens, on va prendre la voiture. Bon, je vais faire le tour du quartier, les gars. Parce que ça doit être des petits merdeux d'ici, ça. Je vais faire le tour du quartier en voiture. On va essayer de les retrouver. Hein. Comme ça, au moins. C'est pas lui, là, le mec en vert qui court? Non, il s'est habillé comment? Il y en avait un torse nu. Il y avait une t-shirt blanc, je crois, et là, tu sais plus que. Il faudrait que. Putain. Bon, on va faire le tour et on va voir, les gars. On va arrêter de filmer. Si j'en vois un de loin, tu refilmes. Et je vais essayer de l'attraper. Ah, je crois qu'ils sont là. C'est pas eux là-bas? T-shirt rouge. L'autre blanc et l'autre torse nu, ah, c'est eux. Putain. Ah, les gars! Les gars, mettez-vous là, s'il vous plaît, il faut que je vous parle. Oh! Oh, viens là, viens. Je vais les choper, hein. Bouge pas, hein. Bouge pas. Ils sont à pied, on est en voiture, on va aller plus vite, ouais, t'inquiète pas. Ils sont montés à droite, hein. Vas-y, filme-les, ils sont lavés. Sors avec moi. C'est bon, derrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses de tirer des pierres sur les. Tirer des pierres? Qu'est-ce que tu racontes? T'amuses de tirer des pierres sur le magasin des. Tiens, je monte pas dans la voiture! Vas-y, monte! Non, je monte pas! Ouais, je vais te mettre un taquet, vas-y, monte dans la voiture! Vas-y, monte! Vas-y, vas-y! Devant les gens! Vas-y, vas-y, monte! Prends ta gueule, Mouche pas, hein! Mouche pas! Ferme ta gueule, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Oh! Oh! Ferme ta gueule! Tiens, ton collègue, il a
Ferme ta gueule, ferme. Je vais descendre, je vais t'en mettre une. Arrête, ferme ta gueule. C'est fermé, tu peux faire ce que tu veux. Oui, descend. Zgui, j'en ai chopé un. Hein. Oh. Ouais. Vas-y, amène-le, s'il te plaît, amène-le. Vas-y, j'arrive. Vas-y. On va te ramener chez mon collègue. Tu as vu, on va te ramener chez mon collègue. Moi, je vais pas te frapper, lui, je sais pas ce qu'il va te faire. Hein. Je te le dis. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as 16 ans? Je m'en bats les couilles, tu as 16 ans. Tu frappes des petits? Ouais, on va te. Oui. Ouais, on va frapper des petits, ouais. Regarde quoi? Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je vais pas rigoler avec toi. Fais-moi encore une menace. Ramène qui tu veux. Ramène ton père, ton petit frère, ton grand frère, ta soeur, ta mère. Ramène qui tu veux, c'est bon? Donne un coup de téléphone, tu as ton téléphone? Donne un coup de téléphone, appelle ton grand frère. T'es un grand frère? T'es un grand frère ou pas? Est-ce que t'es un grand frère? Oui, j'ai un grand frère. Appelle-le. Appelle. Appelle ton grand frère. Non, non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Toi aussi, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Je sais pas. Zgui! Mais il est là, avec. C'est lui. C'est un petit, c'est mineur, c'est mineur, le frappe pas, c'est mineur, tu veux des problèmes? Ton père, je te casse la bouche, vas-y, amène-moi ton père. Amène-moi ton père. Dis, appelle quelqu'un, appelle ton père ou ton frère. Je sais pas, appelle quelqu'un, je sais même pas tu fais ça. Mais ça, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu envoies des pierres? Casse des fatigués, yo. T'habites ici? Non, je suis pas là. C'est qui t'a envoyé? C'est des gars. Vas-y, appelle. Dégueule. Tu sais ce qu'on va faire là, c'est... On va couper la caméra, on va te mettre des gifles. Vas-y, appelle ton frère ou ton père. Tu as un frère, tu m'as dit tout à l'heure, mais j'ai un grand frère. Appelle-le maintenant et mets-le au parleur, vas-y. Ton frère ou ton père, j'appelle-le. Mets-le au parleur. Dis-lui que tu es au snack. C'est chez Guy, tu sais où c'est, tu connais l'adresse vu que tu es venu. Ouais. Tu sais, t'as une balayette, je le tue. Allô, ouais, mon frère, tranquille. Ouais, ça va. Mon frère, viens, s'il te plaît, là, au snack là, tu vois ce qui est, papa Zgui? Vas-y, parle-lui. Ouais, c'est moi. Ouais, ton frère, il m'a envoyé des pierres sur le snack. Il m'a envoyé des pierres sur le snack. Tu peux venir, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Tu fasses pas le fou, ton frère. Hein. Un conseil, qu'il fasse pas le fou. C'est bon. Non, tu restes là, tu bouges pas. Et lui, c'est bon de quoi? Vas-y, reste là. C'est normal de faire ça? Il a 16 ans, ce trou du cul. Quel âge ont tes collègues? Je connais pas. Pas une balance. C'est lui ton frère? Ouais, c'est lui. Bah vas-y, on va lui expliquer ce qu'il a fait. Bien sûr. Ce qu'il fait. Il a failli péter des vitres, ton petit frère. C'est une pierre sur ma vitre. Alors on fait quoi? Tu t'excuses? Il s'excuse? Comment ça se passe? Je sais pas. Mais comment ça, je sais pas? Mais ton cerveau? Tu vois, il y a des trucs qui se font pas, t'as compris? C'est. Non, mais frérot, regarde, il fait pas la morale, parle à moi directement. Non, c'est moi, je vais t'expliquer tranquille. Ton frère, il est en tort, il m'a envoyé des pierres. D'accord avec toi. Voilà. Je te dis juste la morale. Ouais, non, mais moi, je lui ferai, t'inquiète pas. Mais, c'est ça que je veux te dire. Je te vois, tu parles pas là tout à l'heure. Au lieu de faire le voyou, prends ton frère, dis qu'il s'excuse et vous partez gentiment. Encore on est gentil, mon frère. Si, ouais. Tu fais le voyou, tu es arrivé, ouais, fais pas le moral. Tu veux qu'on lui fasse quoi? Déjà, il aurait mis un taquet. Il y a des gens, il aurait fouetté, frère. Après, si tu veux que je te mette un taquet à toi, tu me dis. Oui, on l'a même pas frappé, on l'a rien fait là-bas. Dis-toi, il y en a encore. Attends, il est petit. Normalement, on le frappe. Il frappe en porte-plainte, c'est juste parce qu'il a envoyé des pierres. Voilà, tu le tapes en porte-plainte, c'est si tu veux, je te la mets à toi, la gifle. En vrai. Non, c'est pas moi non plus, je te dis la vérité, frérot, parce que là, ce qu'il a fait, c'est chaud. Au lieu de. Donc, quand on est en tort, normalement, on ferme sa gueule. Ouais, mais c'est pas moi, j'ai lancé le caillou. Ouais, mais. Là, ce que je veux te dire. Non, mais. C'est manqué, tu vois. Normalement, je le prends à coup de taquet. Et on a rien. Non, mais attends, t'as pas intérêt à le frapper. T'as pas intérêt à le frapper. Je te le dis, c'est mon petit frère. Tu veux que je te mette un taquet à toi? Mais tu vas faire quoi? Tu fais le voyou à pied? Tu crois que j'ai vu? Aïe! Vas-y, frère, non, Ah, vas-y, taillez-vous, en vrai. Taillez-vous. André, ouais. Taille-toi. Ça va mal finir. Vas-y, taillez-vous. Taillez-vous, je vais pas le retenir longtemps, moi. Vas-y, taillez-vous. Qu'est-ce que tu as dans la sacoche? Casse-toi, trou du cul. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta sacoche? Allez, taille-toi. S'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Ne revenez plus, hein. C'est pour personne, ne revenez plus. Oh, Zgui, viens, c'est bon. Puis c'est des clients et tout, t'imagines? Ouais. Tu fais ça devant les clients, frère. On a parlé gentiment au début. Je sais, tu es trop nerveux, ma parole. On lui aurait fait une petite sentence comme je fais dans mes vidéos, frérot. Tu as mis un coup de tête cash. Ça va, toi? Ouais. Il a mis un coup de tête, il a rien, le gars. Non, ça va.
Ouais, j'espère qu'ils reviendront pas, frérot. Ouais, j'espère. La vérité. Hein. À la base, on était juste venu présenter le snack. Tu as vu? Ah, c'est un truc de fou. À la base, on est venu présenter c'est le snack. On est venu. C'est ma mère, c'est un truc de fou. J'attire les embrouilles, moi. Je suis venu présenter le snack. On n'a même pas fini, les gars. On n'a même pas fini. C'est quoi l'adresse du snack, s'il te plaît? Okay. Il faut mettre 4 Square Berthier, 13011 Marseille. L'adresse s'affiche en bas, les gars. Manger. Et quand vous arrivez, vous allez voir, c'est dans un petit centre commercial. Pour toute façon, il y a plein de gens qui sont venus, frérot. Donc en vrai, non, c'est trouvable. Hein. C'est pas même comme si. C'est passé ça, très respectueux. Oui, oui, non, les gars, franchement, Zgui, c'est pas un méchant. Au contraire. Il y a le respect. Vous me connaissez, vous savez que lui aussi, c'est pas un méchant. C'est juste que là, frère, le petit, on la chope, on lui dit, oh, calme-toi. L'autre, il commence à. Machin, au lieu de dire à son frère, vas-y, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait n'importe quoi, voilà, machin. Excuse-toi. Il est arrivé, il a commencé à faire le voyou. Les gars, non. Zgui, je suis désolé, mon frère. C'est pas. Tu sais que c'est pas. Là, pour le coup, c'est pas ma faute, frérot. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. D'en bas, ils ont jeté des pierres, c'est enculé, tu as vu? D'en bas. C'est quoi, en vrai, j'aurais peut-être même pas dû le retrouver, comme ça au moins c'était fini. Ouais, mais t'as, il serait revenu le lendemain. Peut-être. Là au moins ils reviendront plus. Ah ouais, là il reviendra plus. Il a fait. Bon les gars, écoutez, on a présenté le snack. Hein. La vidéo elle se termine comme ça, malheureusement. J'aurais préféré que ça se tourne autrement. Mais ils ont rien cassé. Il n'y a pas eu de dégâts ni rien. Fais voir la vitre. En fait, il a tapé là. Ouais, la marque. Eh ouais, c'est enculé. Oh, tu imagines, il tape 5 cm plus bas, il te pète la vitre. Frère, c'est pas gentil. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Zgui, je te souhaite bon courage pour la suite. Si vous voulez venir, si vous voulez le rajouter sur les réseaux, le suivre sur les réseaux, son Snap, il s'affiche en bas. Vous pouvez le suivre, son TikTok s'affiche en bas aussi. Et si vous voulez manger, vous avez l'adresse, elle s'affiche juste en bas. Et les gars, c'est pas pour mentir, hein, mais c'est vraiment bon. Zgui, je te jure, c'est bon. Ma parole, c'est très très bon. D'accord, c'est bon, c'est frais. Et c'est propre. Yeah. Voilà le slogan les gars. Tout on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et quand vous avez des petits frères comme ça, essayez de les surveiller parce qu'ils font des conneries les gars. Vos petits frères, ils font des conneries quand vous les surveillez pas. Voilà. Non, à la base, on n'est pas méchant, mais faut pas qu'on se laisse faire non plus. Si le frère, il était venu plus calme et tout, on n'aurait rien fait. C'est vrai, rien. Là, il est venu, il a fait un peu trop nerveux, fallait le calmer parce que si on le calme pas, ça se reproduira. Mais ouais, ma foi. Bienvenue chez le Zgui, les gars. Il vient d'ouvrir le snack. Donnez-lui la force. Même si vous ne pouvez pas venir. Chez le Zgui, by RG. Même si vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas de Marseille. Il y en a qui viennent, hein, qui même qui sont pas de Marseille. Mais si vous ne pouvez pas venir, vous rajoutez le frérot sur ses réseaux, ça lui fera déjà extrêmement plaisir. Papa Zgui. Papa Zgui, les gars. TikTok, gros bisous à tous. Et je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo à 18h. Et le dimanche sur la chaîne secondaire pour une vidéo sur la chaîne secondaire à 18h. Zgui la night. Ciao, les gars. À bientôt. Like this.